dire, on se retrouve pour une vidéo de ma routine bain et douche et je prends soin de moi avec mes petites astuces énergétiques. Alors on y va. Je vais commencer par le bain parce que en fait je prends un bain une fois par semaine parce que j'en ai besoin pour me relaxer. Voilà, c'est mon moment une fois par semaine où je prends du temps pour moi. Je prépare ma salle de bain, je prépare mon environnement et je vais vous montrer un petit peu comment je fais. C'est tout simple, hein. Franchement, je prends juste du temps pour moi et je pense que en ce moment c'est quasi thérapeutique. Voilà, j'en ai vraiment besoin parce que moi je somatise beaucoup, donc si je n'évacue pas mon stress, si je ne me purifie pas intellectuellement, psychiquement, ça va se ressentir après en mots MAUX dans ma vie quotidienne. Donc je préfère éviter, prendre les devants, c'est une sorte de routine hebdomadaire qui me fait énormément de bien, aussi bien au moral qu'au physique. Donc je place une petite bougie, alors là c'est une bougie blanche parce que c'est le symbole de la pureté et comme j'essaye de faire un bain purificateur, eh ben, c'est toujours bien d'avoir une petite bougie blanche ou une bougie rose aussi qui agit sur tout ce qui est le cœur, etc. Si vous vous intéressez aux pierres, vous verrez que tout ce qui est rose, comme le quartz rose, ça agit beaucoup sur le stress, etc. Donc blanc pour la pureté, rose si vous voulez pour la détente du cœur, le stress. Voilà, donc ma petite bougie que j'allume. Ensuite, qu'est-ce que je place? Alors, quelquefois, pas tout le temps, mais quelquefois, je me fais brûler un bâtonnet d'encens. Donc, voilà, vous avez même le prix. Voilà, j'ai acheté chez Cultura à 1,09€ le petit porteur, voilà, qui est comme ça. Hop. En bambou. Je crois que c'est du bambou. Je crois que c'est ça. Support encens, bois. Oh, je vais pire en pire. Bois bâton, ouais, bref, ça va pas vous ruiner. Et là le prix est également écrit, c'est 4,49€, toujours chez Cultura, et ça s'appelle encens ayurvédique naturel, harmonie, élément eau. En fait, dans l'idéal, pour avoir une séance de relaxation complète, c'est d'avoir un petit peu tous les éléments autour de vous. Alors par exemple l'encens, ça va être le bois, donc et là, celui-là, il rappelle à l'élément eau, l'eau que vous avez dans le bain. La bougie, c'est le feu. Vous pouvez disposer des petites pierres, soit du jardin ou des galets que vous avez ramassés l'été sur la plage. Tout ça, c'est bon, c'est la terre. Et puis, tout ce qui est floral, etc. avec, par exemple, les huiles essentielles. Donc, je vais vous montrer ce que j'utilise. Pour ne pas acheter des produits qui sont à usage unique, par exemple des gels douche, des bains, des produits bains que vous allez payer, si vous voulez du bio, vous allez payer 15€ et ça va être un seul parfum. Moi, ce que je fais, je trouve ça beaucoup mieux maintenant, c'est que vous savez que j'adore la boutique So Natural Beauty, là, dont je vous ai souvent parlé l'année dernière. J'ai encore de faire une commande d'ailleurs. Et donc elle propose la marque Kalia, qui est une excellente marque de produits très simples, très très simples. Je vous montrerai après, j'ai un shampoing. Et alors ce qu'il y a de bien, c'est que c'est bio, et ce gel douche là, il n'a aucun parfum, aucun colorant. Ça fait que en fait c'est une base de bain. Donc ce que j'utilise, c'est que je garde toujours mes petits pots de crème chocolat, crème vanille, vous savez, qu'on consomme. Je garde les petits pots, moi je les garde pour mes pierres, etc. Et du coup, je verse un peu de ma base de bain dedans. Et ensuite, selon l'humeur du moment, selon mon besoin, je rajoute quelques gouttes d'huiles essentielles. Par exemple, mon fils, quand il est revenu du sport, la prof de sport en ce moment, ils ont décrété qu'ils allaient leur faire de la musculation. Le problème, c'est que lui, ses bras, ils sont comme ça. Donc, quand il revient, à chaque fois, il est en ruine, quoi. À chaque fois, il me dit, mais j'ai mal partout. Le lendemain, il a mal partout. Donc, quand il revient du sport, je lui fais un bain. Et j'avais regardé sur Internet et je lui avais fait, là, avec toujours avec ma base,
lavande et j'avais mis romarin parce que j'avais lu que ça détendait bien les muscles, etc. Donc j'en ai plein d'autres, je les ai achetés au fur et à mesure sur Greenwiz. Et voilà, j'ai tout un assortiment d'huiles essentielles. Il ne faut surtout pas les mettre directement dans votre bain, il faut toujours que ça soit mélangé à une huile ou à une base. Voilà, parce que sinon, attention et toujours à prendre avec précaution, parce que les huiles essentielles, ça peut être toxique au niveau neurologique. Faire très attention, ne pas les, voilà, pas faire n'importe quoi avec, hein. Et donc j'en mets un peu dans là-dedans. Je fais couler mon eau et hop, je mets ça sous le jet et après je mélange comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans mon petit contenant. Ça sent merveilleusement bon, ça coûte pas cher et ça rapporte gros sur votre détente. Et je fais ça à peu près 20 minutes et aussi en parallèle, je prends mon petit téléphone, j'utilise des musiques relaxantes de détente que je trouve sur la chaîne YouTube Développement Personnel. Et je vous mettrai le lien. Et notamment, il y a des musiques, c'est de la sonothérapie, je ne sais pas si vous connaissez. Et c'est super, moi j'adore et j'ai l'impression que vraiment ça me fait du bien. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais au moment d'un bain, après tout, essayez. Qui ne tente rien n'a rien. Il y a différentes musiques selon les besoins. Moi, par exemple, je sais qu'il faut que je travaille sur mon chakra racine, donc je mets des musiques et des sons binauraux. Vous chercherez un peu sur internet ce que c'est, qui m'aident à travailler et à guérir mon chakra racine. Après, quelquefois, ça peut être sur la purification de l'aura, l'alignement des chakras, ou simplement, sinon, si ça ne vous intéresse pas, vous tapez musique zen relaxante dans Google et vous trouverez, il n'y a pas de souci, et ça permet de se détendre. Et je mets ça aussi aux enfants et ils aiment beaucoup, ça les détend bien. Qu'est-ce que j'utilise donc dans mon bain? Du coup, vu que j'ai ma base lavande, ben, je me lave avec ça, avec mon gant de toilette. Et sinon, dans la douche, donc là, tous les soirs, moi, je prends ma douche parce que c'est mon rituel de pareil, de purification de la journée. J'ai toujours des journées stressantes et assez, avec des émotions pas mal négatives dans la journée et au travail. Donc, quand je reviens, c'est le moment, enfin, quand je reviens, allez, 1 heure et demie après, 2 heures, je prends ma douche et j'ai l'impression que je me lave de toutes ces émotions négatives. Donc, qu'est-ce que je fais en premier? Première étape dans ma douche. D'abord, c'est le démaquillage. Donc, en ce moment, je vous l'avais déjà montré, j'utilise l'huile démaquillante de Kiehl's, la Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil. Voilà, on ne peut pas faire plus long. Bon, c'est pas ma préférée. Je suis déçue du parfum d'huile essentielle. Franchement, c'est pas super. Franchement, quand vous avez fait un bain avec des huiles essentielles comme ça, et que là on vous dit qu'il y a des huiles essentielles dedans, vous vous dites je ne comprends pas tout. Quand même, ce petit parfum de chimie que je regrette, je préférais largement l'huile démaquillante de l'Occitane au karité à l'immortel, mais je crois qu'elle n'existe plus, donc il faut que je cherche parce que ça reste de toutes ma préférée. Celle-là, elle est plus liquide et en plus, on en met ça. Ça cliffe un peu partout, donc en fait ce que je fais c'est que je la laisse sur ma baignoire avant de rentrer dans ma douche. J'en mets un peu dans ma main, comme ça, hop, je lance l'eau pour qu'elle se chauffe. Je fais ça et je me masse le visage pendant que l'eau chauffe. Comme ça déjà j'ai fait un peu le travail, après il ne me reste plus qu'à rentrer sous la douche, de me rincer avec les mains sous l'eau bien chaude et ensuite... Seulement, me lave le visage et là j'ai racheté évidemment le CeraVe Hydrating Cleanser qui est parfait pour ma peau normale et un peu mature quand même puisque j'ai 45 ans. Et voilà, c'est pour les peaux normales à sèche. Franchement, elle est parfaite. Elle contient de l'acide hyaluronique et 3 céramides essentielles. Il n'y a pas de parfum. Et super économique, je vais aller, je sais pas, au moins 4 mois avec. Génial, la peau, vous avez une peau de bébé avec ça. C'est, je vous en avais déjà parlé l'année dernière. Elle est géniale et ça coûte, je sais pas, 7 euros le pot de 473 ml et on va vraiment super longtemps avec. Donc généralement, voilà, une fois que je me suis lavé le visage, ça y est, là je peux me détendre sous ma douche.
Et ce que je fais, c'est que, en fait, je profite du moment où, voilà, mon visage est lavé, je reste les yeux fermés. Et ce que je fais, c'est que, en fait, je me projette voilà, dans mon inconscient et j'imagine que, en fait, la pomme de douche m'envoie toutes des flocons dorés d'amour, de bonheur, de bienveillance. Et alors, ce que je fais, c'est que j'imagine que ça ruisselle sur mon corps et que, en fait, en bas de mes pieds, il y a comme la poussière de toutes les toxines, tout ce qui a été comme émotion négative, fatigue, stress de la journée, pollution énergétique, pollution de l'environnement, tout ça, j'imagine que ça s'écoule dans la bonde de la douche et que ça part, et que je me nettoie. Et tout ça, c'est juste comme ça, je l'imagine, et j'imagine que ça te fait du bien. Une fois que c'est parti, j'imagine toutes ces pépites, ces petits flocons dorés qui viennent sur moi, et j'imagine que ah, ça me fait du bien, et que cette douche me régénère, me redonne de la force, m'énergise de tout ce qu'il peut y avoir de bon. Ça dure 30 secondes, hein, et ça fait vraiment du bien. Voilà, et c'est gratuit. Et ensuite, eh ben je fais tout le reste de ma petite routine. Donc, un jour sur deux, je me lave les cheveux. Donc, en base, en premier, shampoing, vous savez, depuis longtemps, je vous le dis, n'utilisez pas des shampoings chers pour votre premier shampoing, ça ne sert à rien. Le premier shampoing, il faut utiliser quelque chose de très basique, parce que c'est juste un premier décrassage, en fait. Et le traitement, il viendra par le shampoing en deuxième temps, qui, lui, contiendra des ingrédients actifs dont votre cheveu aura besoin. Donc, c'est pareil, sur le site So Natural Beauty, dans la gamme de la marque Kalia, j'ai acheté ce shampoing hydratant, et je l'ai acheté en 1 litre, parce que comme ça, ça peut servir aussi à mon mari ou à mes enfants quand ils veulent utiliser ma douche. Et là, ça, alors par contre, là, ils disent que ça contient de la lavande, de la bergamote, de la rose géranium en huile essentielle, mais je ne les sens pas beaucoup. J'ai l'impression qu'il est presque neutre, en fait. C'est très, très léger. Et c'est un shampoing hydratant. Alors, hydratant, on va dire que plutôt il est non desséchant, en fait. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est hydratant, mais c'est une bonne base douce, en fait. Il est quand même pas donné, hein. Je crois que je l'ai payé 19 euros, il me semble. Mais après, on n'en a pas besoin de beaucoup parce que, contrairement à tous les shampoings de supermarché, il est pas du tout liquide. Et du coup, vous voyez, et en plus, voilà, il y a un petit embout comme ça, pratique et hygiénique, très bien. Et il en faut vraiment pas beaucoup, donc on va aller longtemps avec. Donc ça, c'est mon premier shampoing. Ensuite, quand je fais mon deuxième shampoing, comme j'ai refait mes mèches, hein, excusez, il y a plein d'eau et de calcaire, je vous montre ce shampoing Kérastase. Voilà, ça c'est le shampoing pour celles qui font des mèches claires. C'est le bain ultraviolet blond absolu. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Alors, on va très très longtemps avec. Je l'ai acheté fin août. Et il m'en reste encore, je pense, la moitié. Pendant 2 mois, je ne m'en suis pas servie parce que j'avais des mèches beaucoup plus dorées. Donc, ça ne servait à rien. Et là, j'ai refait des mèches un peu plus claires. Mais la patine est un peu trop dorée à mon goût. Donc, je reprends ce shampoing qui est très bien, pareil. Il en faut très, 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 très peu. Franchement, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Il mousse extrêmement bien. Et c'est vrai que si on le laisse poser 2 minutes, ça déjaunit bien. Il faut bien, bien le rincer, par contre, parce que j'ai déjà eu des tours, pas forcément avec celui-là, mais avec celui de L'Oréal Professionnel, où j'avais des mèches derrière qui avaient été mal rincées et qui étaient un peu violettes. Ça s'en va, hein. Mais bon, voilà, je préfère me le dire. Donc moi, Kérastase, on peut dire ce qu'on veut, d'accord, c'est pas du bio, etc. En même temps, j'ai des, comme je vous avais dit, j'ai des mèches, elles n'ont rien de bio, donc voilà. Sinon, pour faire des soins, en ce moment, j'ai plus grand-chose. Il va falloir que j'aille m'acheter un masque digne de ce nom, et je retournerai chez Kérastase, parce que c'est les meilleurs. J'ai terminé un après-shampoing anti-pollution d'Yves Rocher,
Franchement, je vous en parle parce qu'il est terminé et qu'il va passer au bac à recycler. Mais sans silicone, oui, mais sans rien non plus. C'est-à-dire que ça ou rien, c'était pareil. Et en plus, il en fallait beaucoup, ça en délivrait beaucoup. Donc absolument pas économique, absolument pas écologique, selon moi, selon mes critères. Donc non, je ne le rachèterai pas. Et donc en ce moment, comme j'avais reçu des cadeaux cet été, au moment où ils avaient changé la carte de fidélité, il me restait, là je cherche dans mes tiroirs parce que j'aime pas tout le temps acheter, surtout que là je viens de refaire une commande chez So Natural Beauty. Je me suis acheté une bonne crème de jour que je recevrai dans une semaine, je pense, et je l'ai payée 76 € parce que, comme je vous expliquais, maintenant je préfère acheter des produits naturels qui sont peut-être chers, mais qui sont composés d'ingrédients actifs et véritablement actifs, et pas d'une liste comme ça de plein d'ingrédients qui, mis bout à bout avec la pub, avec le packaging, avec la présence dans les parfumeries, etc., fait que vous le payez aussi cher, mais en fait, ça n'apporte rien à votre peau. Donc là, je vous montrerai ma prochaine crème quand je l'aurai testée et je vous en parlerai. Et donc, du coup, on ne peut pas acheter partout. Il faut que je fasse des choix budgétaires. Donc, quand c'est comme ça, je m'achète quelque chose de cher, et ben je me dis, tiens, je vais attendre un peu pour mon masque, ou je vais attendre un peu pour du maquillage, et je fais des fonds de tiroir. Par exemple, ça fait 15 jours là que j'utilise des crèmes de jour en échantillon. Et puis quelquefois, on peut avoir le coup de cœur. Bon, alors c'est pas mal, et ça fait économiser un petit peu. C'est toujours 15 jours où vous n'avez pas dépensé pour une crème de jour. Et franchement, je vais vous dire un truc. Aussi, ça n'a rien à voir avec ma routine douche, mais là j'ai l'impression d'être fortement maquillée. Je me suis fortement maquillée, en fait, je me suis maquillée vraiment comme avant, entre guillemets, c'est-à-dire que depuis le premier confinement, j'ai continué à travailler, hein, mais avec le masque et tout, je voyais plus l'intérêt de se maquiller de trop, et puis en plus il y a eu les chaleurs, etc. J'ai pas mis beaucoup de fond de teint, j'en mettais mais vraiment très peu, et c'est toujours le même fond de teint que je vous avais montré, c'était celui de Coranto, le pot en crème solide. Franchement génial. Et je mettais plus de blush, je mettais plus de bronzer parce que ça sert à rien, clairement, hein? Et j'accentuais beaucoup plus les sourcils et les yeux. Voilà. Et plus de rouge à lèvres non plus. Et du coup, tiens, pourquoi je vous parle de ça? Ah oui, j'ai pas tellement dépensé. Ouais, c'est ça. Et donc chez Yves Rocher, j'avais eu ce format voyage. C'est un baume botanique universel pour les cheveux. Et réparation, soins multi-usages sans rinçage. J'aime pas trop ce genre de truc parce que j'ai toujours peur que mes cheveux regressent trop vite. Je peux vous dire que je l'ai mis, mes cheveux sont bien doux. Parce que avec les mèches, là, c'était un ballot de paille. Hein. Avec ça plus les mèches, c'est égal ballot de paille si vous ne mettez pas un masque derrière. Et ça, je l'ai mis en sortant de la douche. Ils crissaient, on aurait dit du crin de poney, c'était horrible. Et franchement, ça a bien fait le travail. Peut-être que c'est du court terme, mais en attendant de me racheter un beau masque, ben celui-ci fait bien l'usage et mes cheveux ne sont pas poisseux. Donc pour l'instant, j'utilise ça. Ensuite, je me lave le corps. Et en ce moment, j'utilise ce gel douche que j'ai eu au Leclerc Drive. Et c'est la marque La Provençale. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors j'avais déjà acheté chez eux. J'en avais acheté un, je crois, je sais plus dans l'année. Ça m'avait pas trop convaincu. Celui-là, je l'ai acheté à moins 30%, je crois. Il est bien. Franchement, il est bien. C'est un bon petit gel douche. Je crois qu'il coûtait 5,70 €. Il est à l'huile d'olive bio, senteur écorce de cédrat. Le parfum n'est pas très fort. Franchement, ils auraient pu accentuer peut-être. Mais après, c'est vrai que peut-être que ça coûte cher parce qu'ils mettent des choses un peu naturelles. Mais bon, au niveau olfactif, voilà, on n'est pas dans l'aromathérapie quand même, hein. Mais il est bien. Il est bien. Voilà. Il est bien. Je ne suis pas sûre que je le rachèterai parce que pour moi, voilà, moi j'ai besoin, voilà, d'être dans un moment olfactif, aromathérapique.
Là, ça lave, ça sent bon, mais c'est pas l'extase non plus. Et je termine par la zone intime. Et en ce moment, et depuis un petit moment, parce que celui-là, j'avais eu un lot, donc c'est le gel Intima, régulateur active. Quoi dire? Il est pas mieux, pas moins bien qu'un autre, même si moi, je reste un petit peu bloquée sur le Saforel, qui, je trouve, sent meilleur. Et voilà, la lavande est plus présente, et du coup, c'est un sentiment de fraîcheur qui est plus présent qu'avec celui-là. Donc la prochaine fois, je pense que je retournerai vers le Saforel. Et bien voilà, et puis après, c'est tout, je vaque à mes activités. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ce que je me disais, c'est que pour pas saouler les personnes qui sont pas tellement intéressées par tout ce qui est énergétique, je me disais que j'allais distiller à chaque vidéo une petite astuce. Plutôt que voilà, de faire des vidéos que pour ça, je me dis que ça sera mieux à chaque vidéo, je vous présenterai une petite astuce, voilà, de ce que je fais ou d'un produit que j'utilise, voilà. C'est pas ce que vous en pensez. En tout cas, dites-moi ce que vous utilisez dans votre bain et dans votre douche. Ça serait sympa de voir plutôt des produits naturels si vous avez, de nous dire s'ils vous ont plu. Et puis, en attendant, je vous souhaite un très beau week-end. Il fait gris dehors. Personnellement, je me confine. Je vais juste aller chez le boucher. Et qu'est-ce que je dois faire? J'ai un truc à aller chercher chez Cultura pour Noël. Mais je vais prendre mon petit colis à l'entrée et je vais faire le tour jusqu'aux caisses et je rentre immédiatement parce qu'on veut fêter Noël avec mes parents sans avoir le risque d'attraper le Covid. Surtout que là, mon fils a été cas contact à l'école et on a eu bien peur là pendant 2 jours. Et depuis hier soir, on sait qu'il est négatif. Donc, quand on passe par ça et qu'on était à 2 doigts de ne pas faire Noël en famille, ben, on se dit qu'il faut vraiment faire attention. Donc, faites attention à vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé ainsi que vos proches. Faites bien attention. Essayez d'éviter les magasins. Franchement, si vous avez la possibilité de reporter vos achats ou plutôt de les faire livrer, ou faites-le parce que... on pourra toujours consommer plus tard, quoi, c'est pas la priorité. Voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse bien fort, salut !